Le séminaire d'appropriation et de vulgarisation des textes relatifs à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication se poursuit. Pour cette deuxième journée, les débats sont essentiellement axés sur la décision portant réglementation de la publicité éducative au Bénin. Vu les réformes dans le domaine de l'enseignement, c'était opportun quand même de revisiter cette décision et nous voudrions saluer la qualité des interventions qui vont aboutir sur la révision de cette décision. Les propositions faites au cours de cette journée vont permettre une lutte plus efficiente contre la publicité mensongère dans le domaine de l'éducation au Bénin. Les participants ont apporté des amendements fondamentaux à ce test qui pourraient améliorer la communication dans le domaine de l'éducation dans notre pays en protégeant les annonceurs, les concepteurs de la publicité et les diffuseurs. Il faut reconnaître que les organes de presse que nous sommes n'appliquions pas la décision qui a été prise il y a 12 ans, il faut être honnête. Et là, on a discuté sur le contenu, revoir ce qui doit être revu pour faciliter donc son application. Je crois que les échanges ont été intéressants. On a abordé le fond du problème en ce qui concerne ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Les propositions issues de ces travaux feront l'objet d'un avant-propos. Le document va à son tour être soumis aux différentes parties impliquées dans la réglementation de la publicité éducative au Bénin pour amendement.